Écoutez bien, chrétien, étant que serviteur de Dieu, le moindre des apôtres, j'aimerais dire, tous ces pasteurs-là, tous ces pasteurs, ces vendeurs, ces vendeurs dans les temples, ces commerçants, qui vous font vendre de l'huile d'onction, du sel, tous ces pasteurs-là, qui vous font payer des entretiens ou qui font des conférences payantes, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. J'assume ce que j'ai dit. Si j'assume ce que j'ai dit, étant que homme de Dieu, en m'appuyant sur la parole de Dieu, l'accès à la parole de Dieu ne doit pas être payant. L'accès à l'onction ne doit pas être payant. Tous ces hommes de Dieu, prétendus des hommes de Dieu, j'aimerais vous dire en face, vous êtes des voleurs et des charlatans. Et vous tous ces chrétiens qui cautionnez ces choses-là, qui soutenez ces gens-là, vous, vous serez aussi condamnés, vous ne serez jamais bénis, parce que vous êtes en train de soutenir des gens qui salissent l'évangile, qui détruisent l'évangile. L'huile ne doit pas être payant. Jésus a dit, vous avez réussi gratuitement, donnez gratuitement. Et la Bible est claire. Soyez bénis. J'ai un rément à vous donner. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, quand vous tombez dans le péché avec une belle sorcière, je dis bien une belle sorcière. Et le diable sait maquiller ses filles. Le diable sait rendre séduisantes et belles ses filles. Quand le diable est dénu et maquille ses filles, oh, ça attire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse 6, les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes comme femmes. Parce qu'elles étaient maquillées et rendues belles par le diable lui-même. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, il y a deux issues. Comme vous êtes dans le péché, ou elle vous tue, elle vous tue. Elle vous communique une maladie, elle vous communique le cancer, elle vous communique peut-être la schizophrénie, la dépression, elle vous tue. Ou autre chose, elle vous initie dans la sorcellerie elle vous initie pendant que vous l'embrassez avec ses vénères. esprit de python elle vous met des vénères en vous et vous aussi vous êtes initié dans la sorcellerie et, et, et un esprit va vous, 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 vous contrôler un esprit va vous contrôler et vous utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu détruire les hommes de Dieu vous serez inconsciemment ou consciemment au service du diable alors attention gardez-vous dans la sainteté Sandrine et Cecilia, ce voyage gentil, voulez voyager à crédit, venir là, Il ouais, n'y a pas de problème, on hein. va payer problème. petit à petit et tout manit voilà. l'argent au cas où voilà. Si voilà. Pour <laughs> Bonjour chers amis et téléspectateurs, je suis très heureux, très content de, de pouvoir passer ce moment avec vous. Bonjour et bonsoir, dépendamment de votre zone géographique. Parce que télé -Antilles est suivi aux Antilles. Quand c'est 20h à Paris, c'est 7h30 du matin aux Antilles. Et en Guadeloupe en particulier, télé -Antilles est suivi dans le canal 38. Canal 38. Ceux qui sont à Paris peuvent nous suivre sur Orange. Hein. Aux Antilles, en Guadeloupe, c'est 38 Orange. Canal 38 Orange. En Martinique, peut-être c'est pareil, je ne sais pas. Et en Guyane aussi, on nous suit. À la Réunion, on nous suit. On passe à la Réunion. On passe jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Et certaines personnes en, en Haïti me suivent. Je ne sais pas par quel canal ils nous suivent. Donc tu vois que quand je dis bonsoir, Bonsoir, c'est pour vous. Et Nouvelle-Calédonie, c'est bonjour. Parce que c'est 13 heures de décalage. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, avant de, de dire, de continuer, et j'étais là à vous dire que nous sommes tous les jours en direct, cette émission, elle est aussi en direct sur YouTube. Sur YouTube, sur la chaîne Bishop Collé. Arrobas Bishop comme vous le voyez bien. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est grand. J'aime Jésus. Hallelujah. 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 Vous voyez, je suis vraiment convaincu. Mon ami, toi qui me suis, comme je l'ai dit, une vie sans problème, c'est de l'utopie. Comme ont dit nos anciens, qui vivra verra. Qui vivra verra. Et Jésus n'a jamais promis une vie sans problème. Parce qu'il a même prédit que nous aurons des problèmes. Vous aurez des persécutions, mais sachez que je vaincu le monde. Il a même dit. « Leur vient ou quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. » Et il dit encore, « Ceux qui croiront à mon nom saisiront des serpents, marcheront sur des scorpions. » Je ne sais pas s'il si y a un chrétien qui a déjà saisi un serpent. <laughs> ne demandez pas surtout aux sœurs de saisir les serpents ou de marcher sur les scorpions. Mais Jésus a parlé en parabole. Les serpents ici représentent une puissance démoniaque. Une puissance démoniaque. Et qui est là pour s'opposer à notre réussite. Comme certains ont des blocages dans leur vie. Certains ont des blocages. Hein? Des blocages. Problèmes de santé. Problèmes euh, sentimentaux. Les serpents, c'est l'image des démons de puissance qui sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour que vous ne puissiez pas vivre votre destinée. Je crois à cela. Je crois à cela parce que à l'âge de 8 ans, j'ai vu des choses. Quand j'avais 3 ans ou 4 ans, je pense, ma mère était commerçante, avait, elle avait voyagé. Nous, on habitait à Limeté. Je me rappelle bien de la maison. Trois ans ou quatre ans. Et moi et ma petite sœur, on était dans la maison. Ma mère nous a laissés avec une domestique pour nous garder. Et le soir, moi et ma, ma soeur, on a constaté que notre maison qui était peinte en blanc, elle devenait rouge. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ces traumatismes. Vous avez trois, quatre ans ou cinq ans, je ne sais pas, je dois avoir 5 ans ou quatre ans, et je suis assis à la maison avec ma mère, ma, ma petite soeur, qui avait un an de moi, et je crois qu'elle est encore là, elle peut vous confirmer. Tous les deux, on voit... Notre maison qui était à l'intérieur peinte en blanc, la couleur devenir rouge, couleur de sang. Bon, ça, ça aurait été moi tout seul. On aurait dit que j'hallucinais. Vous aurez peut-être dit que j'hallucinais parce que les hallucinations existent. Et, et toutes les maladies mentales ne sont pas démoniaques. C'est l'erreur que nous faisons lorsque quelqu'un voit des choses ou voit des... Euh, attend des voix, on a toujours tendance à penser que c'est des démons. Non. Quelqu'un peut attendre des voix qui n'existent pas. Parce que dans sa tête, il y a un problème. Je sais de quoi je vous parle. Voilà. J'aimerais aborder ce thème, la psychiatrie spirituelle. La psychiatrie spirituelle. voyez, lorsque la main souffre, la main ne bouge pas. Euh, lorsque le cœur souffre, le cœur est au ralenti, vous avez des douleurs. Mais lorsque le cerveau souffre, vous avez des maux de tête. Et quand c'est la zone visuelle du cerveau qui est malade, et vous pouvez voir des choses qui n'existent pas parce que cette zone du cerveau est malade dysfonctionne et sans que cela soit réellement des apparitions spirituelles vous pouvez attendre si la zone auditive du cerveau souffre et malade dysfonctionne vous pouvez attendre de voir n'existe pas c'est comme les gens qui attendent des bourdonnements dans leurs oreilles et vous savez bien que ce bourdonnement ne sont pas réels c'est à l'intérieur de vous donc moi et ma soeur on a vu la maison se transformer en rouge on est on a paniqué et notre domestique notre gardienne était obligée de nous sortir de la maison donc, je crois à l'existence des choses spirituelles. Toute ma vie, je n'ai vu que ça. Toute ma vie, je ne vis que ça. Bien sûr, il y en a qui exagèrent. Hein? Je suis d'accord avec vous. Il y en a qui exagèrent, qui voient le diable partout dans les moteurs, dans les fourchettes, dans les assiettes. Et sur le... Il y en a qui exagèrent. Simplement parce que. Ils sont soit traumatisés ou parce qu'ils manquent de discernement. Alléluia. Mais c'est une réalité. La puissance du mal existe. Merci parce que Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu pour nous. C'est une bonne nouvelle. Jésus a vaincu pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit... Tu n'as pas besoin d'aller voir tous ces charlatans, les prêtres vaudouisants, les sorciers maimés ma qui vont te sucer ton argent, te pomper ton argent inutilement. Jésus, et il n'y a même pas que de prêtres vaudous, et même des pasteurs charlatans que je dénonce, qui font payer les délivrances, les prières qui vendent de l'huile, qui vendent de l'huile, qui vendent des mouchoirs. J'ai dit à tout ce pasteur-là, vous êtes maudits. Oui, je vous l'ai dit en face, vous êtes maudits. Que votre argent périsse avec vous. Comme dit l'apôtre Pierre, que ton argent périsse avec toi. L'apôtre Pierre a dit cela à Simon, le magicien. Tu es maudit, que ton argent périsse avec toi. Et ce n'est pas que l'apôtre Pierre les a Simon les magiciens, c'est que l'apôtre Paul était simplement en train de dire ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, l'apôtre Paul n'était simplement en train de dire la sentence de la parole de Dieu ou bien la sentence de l'esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vous inspire, et que à travers de votre bouche, il dit quelque chose. Ce n'est pas vous qui maudissez la personne, c'est l'Éternel lui-même qui maudit la personne au travers d'une prophétie. Il ne faut pas confondre quand il me dit ne maudissez pas, et s'il s'agit d'une personne qui, par sa propre volonté, souhaite le malheur pour quelqu'un, Vous voyez. Voilà maudire c'est quand quelqu'un par sa propre volonté indépendamment du Seigneur souhaite qu'un malheur arrive à quelqu'un d'autre voilà ce que la bible interdit mais si sous l'onction je reçois une une, une une prophétie ou une sentence de Dieu contre une personne et je le dis je le prononce je ne maudis personne c'est le Seigneur qui te maudit c'est la parole qui te maudit alors tous ces pasteurs-là qui se livrent à ce genre d'activité, vous êtes sous la malédiction. Vous devez vous répentir et arrêter. Si c'est l'argent qui est votre priorité, allez chercher l'argent dans le commerce par autre moyen. Priez Dieu qui vous donne un métier ou demandez à Dieu qui vous donne un travail dans le business, dans le commerce. Dieu peut vous bénir. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'évangile pour vous enrichir. Non. Dieu peut vous bénir dans d'autres domaines. Alléluia. Donc, déchargeons-nous de nos soucis. Vivre sur terre, c'est une vie de problèmes. Nous devons nous décharger. Nous décharger ce matin, dit Seigneur. La parole de Dieu dit faites connaître à Dieu tous vos soucis. Et Dieu gardera votre cœur en paix. La paix du Seigneur va venir dans votre cœur. Mais il suffit seulement de faire connaître à Dieu tes soucis. Ayez foi simplement dire, Seigneur, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Je n'ai pas de chance dans l'amour. Je n'ai pas de chance. Mon couple ne va pas bien, Seigneur intervient Seigneur mon travail ne va pas bien mon patron me persécute Seigneur je le laisse entre tes mains Seigneur mon enfant ne va pas bien et je le confie entre tes mains Seigneur financièrement je ne m'en sors pas Seigneur bénis-moi faites connaître à Dieu vos besoins et, et vous allez voir que Dieu va pouvoir Dieu va répondre parce que lui-même il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Prie avec moi, toi qui me suis aujourd'hui. Nous prier. Oh Seigneur Dieu, je viens te confier tout ce qui ne va pas dans ma vie. Tout ce fardeau, je viens me décharger. Sur toi de mes soucis. Et toi qui dis dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est toi qui le dis, Seigneur. Je suis fatigué, soit par cette vie de couple, par ce travail, par l'harcèlement de mon voisin, par le comportement de mon enfant. Oh Seigneur, je suis fatigué par ces factures. Je suis épuisé, Seigneur. Et je viens ce matin ou ce soir te confier, me décharger sur toi, conformément à ta parole. Donne-moi la paix. Donne-moi ta paix et ta joie. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit demandez et l'on vous, vous donnera. Je m'appuie sur cette parole pour me décharger sur toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je tenais à vous dire, cela peut paraître bizarre pour vous, je ne connais pas un seul homme sans problème. Vous n'êtes pas le seul. Et même dans le couple, parfois, j'ai dit au couple. Tout le monde a des problèmes. Même moi qui vous prêche la parole de Dieu et j'ai mes problèmes à gérer. Je serais un véritable hypocrite si je dis que je n'ai pas de problème. Mais la différence entre un chrétien et un païen, c'est qu'un chrétien a Jésus. Un chrétien a la solution universelle. Jésus est le médicament des malades. Jésus est le psychiatre des malades psychiatriques. Jésus est la délivrance de ceux qui sont envoûtés ou possédés. Jésus est la solution universelle à tous nos problèmes. Et surtout tous les couples ont des problèmes à différents degrés. Même mon couple a ses problèmes. Je vous dis que avec ma femme, c'est la perfection, c'est parfait. Je suis un hypocrite. Je ne connais pas un seul couple, mais je ne dis pas que c'est différentes échelles. Moi, j'ai la, la grâce d'avoir une femme éduquée, d'avoir une femme d'éducation calme, d'avoir une femme respectueuse, instruite. Voilà, donc, c'est ce qui fait que jamais il y a des dérapages chez moi, jamais... Il y a le temps qui monte, il y a les disputes. Non, je ne connais pas ça. Vous voyez Parce que ma femme et moi, nous sommes de nature respectueux Ma femme m'a jamais insulté. Et moi, je ne l'ai jamais insulté. Depuis que je la connais, même étant chrétien, je n'ai jamais reçu une insulte. Et je ne l'ai jamais aussi insulté. Vous voyez Donc, c'est vrai que dans le couple. Lorsqu'il y a le minimum, l'éducation, lorsqu'on est des vrais chrétiens, on peut tomber dans le désaccord, on peut ne pas avoir la même opinion, la même, le même avis, on peut tomber parfois dans les soupçons, dans le doute. Ce sont des petites choses, mais ça reste que tout petit, quoi. Ça reste que des petites, comment on dit, des petites, des petites attaques. Donc, lorsque il y a le respect, lorsqu'on est chrétien, moi je pense que lorsqu'on est vraiment chrétien, on ne peut pas avoir des problèmes comme des païens. Quand vous me dites que vous êtes chrétien, euh, j'apprends que tu insultes ton mari, ça peut arriver peut-être. Mais après, étant qu'enfant de Dieu, tu dois t'excuser. Et quand on me dit que tu es chrétien, tu as tapé ta femme. C'est pas normal. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Comment tu peux arriver jusqu'à taper ta femme Vous voyez Et même si cela arrive parce que vous manquez de maîtrise, vous devez vous excuser. Vous voyez Il faut un minimum. Donc, on a tous des problèmes. Mais il y a un secret que j'aimerais vous donner c'est de vous décharger sur Jésus. Déchargez-vous complètement sur lui. Confiez-lui vos problèmes et faites-lui confiance. Et il promet dans sa parole de prendre soin de vous. Amen. Je connais un couple qui a des problèmes. <laughs> je connais un couple qui a des problèmes Mais des problèmes graves hein? Des problèmes graves et Ils ne sont pas encore Vraiment mariés devant la, devant la mairie hein? Ces deux personnes Qui s'aiment, ils ont des problèmes Tellement graves C'est vrai que le frère a son caractère La femme aussi A vécu des choses difficiles Et, et, et quand je, je commençais à parler avec ce frère J'ai senti que il était soulagé de savoir que moi aussi j'ai des problèmes. <laughs> Ça l'a soulagé. Et il m'a dit, eh mais pasteur, toi aussi tu as des problèmes. Hein? Toi aussi. Hein? 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 C'est comme si il se disait, il se sentait plus seul. Il se disait que c'est le combat de tout le monde. Et bien sûr, je n'ai pas de problème dans mon couple. À leur échelle, leur échelle, c'est grave. Moi, humainement parlant, si je veux parler euh, humainement parlant par rapport à ce que je vois, euh, nous on n'a pas de problèmes. Bien sûr, je vous avouerai par rapport à ce que, par rapport à l'échelle des problèmes que je vois dans d'autres couples, moi je considère que je n'ai même pas de problèmes quoi. Et chez moi, c'est totalement la paix, gloire à Dieu. Voyez, par exemple, ce matin, j'ai cousiné pour ma femme. Elle était en train de se préparer et j'ai cuisiné pour ma femme, et je lui fais du poisson grillé, je lui fais fait euh, des haricots, j'ai cuisiné pour elle, et pour qu'elle mange au travail. Et ce matin, elle m'a dit, elle avait un autre programme. Ça ne m'a pas plu. <laughs> voilà, c'est des petits problèmes comme ça. C'est des petits problèmes, C'est pas de gros, gros problèmes. Mais j'ai dit que deux êtres différents, il y aura toujours des désaccords un petit peu. Parce que j'ai eu le sentiment d'avoir pris une pour rien. Alors mon épouse a trouvé la solution. Il m'a dit, chérie, garde-le dans le congélateur pour ce soir ou pour demain. Amen. Alors, je tenais à dire bon anniversaire à ma belle-mère, Mama Joselita. Donc aujourd'hui, si j'ai l'occasion, euh, je mettrai un chant pour lui. J'avais écrit un chant pour lui. Euh, je ne sais pas si je vais le retrouver. Euh, euh, attends, attends, je vais voir si je, je vais le retrouver. Euh, bon anniversaire à ma belle-mère, la plus jolie de belles-mères, la plus gentille. Et, et je tenais à vous dire, j'ai un grand respect pour cette femme. Oui, j'ai un grand respect. Et je n'ai pas dit qu'elle est parfaite, qu'elle ne déconne pas, elle ne déconne jamais. <laughs> non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit et je reconnais qu'elle est vraiment une vraie maman et elle est une femme courageuse. Ah oui, elle est une femme courageuse. Elle est une femme courageuse. Oui, oui, elle est une femme courageuse. Ah oui, c'est une femme exceptionnelle. Euh, maman Josolita, bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Et je respecte beaucoup euh, l'amour que tu as pour ta fille. Ah oui. Et, et merci et, et de, de pour cette femme que j'ai. Elle est ce qu'elle est grâce à toi. Vous voyez. Elle est ce qu'elle est parce que tu as fait le nécessaire. Je cherche ce chant que j'avais écrit pour elle. Bon. Euh, je ne sais pas où ce qu'elle est, ces chant-là. J'ai écrit un chant spécial. Je vois que je suis le seul euh, beau-fils qui a écrit un chant pour sa belle-mère. <laughs> en général, entre les belles mères, les belles filles. Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, ça cachait chauffé ouais. même à Bon, on va le trouver là-bas, maman Joselita. Ok, soyez bénis. Merci Seigneur. Bon, on va maintenant aborder notre thème d'aujourd'hui. Euh, le thème, écoutez l'Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Comme on a vu hier, écoutez le Saint-Esprit, c'est vital. L'écoute du Saint-Esprit, c'est vital. Euh, la parole de Dieu nous dit L'Éternel est mon berger. Il me fera reposer. Il me conduira. Il me guidera. Il restaurera mon âme. Donc le Saint-Esprit a un travail qu'il fait avec nous. Mais il faut l'écouter. Et si on ne sait pas écouter le Saint-Esprit, c'est grave. C'est grave pourquoi Parce qu'on sera victime des escrocs. On sera victime des faux prophètes. Et on risque même de perdre sa vie. Écoutez-moi bien, je vous dis, ça peut vous coûter très cher. Vous risquez même de perdre votre vie. Et ne vous inquiétez pas, je tenais à vous dire que le Saint-Esprit vous parle plus que vous ne le pensez. Parce que Dieu ne fait acception de personne. S'il me parle, c'est qu'il vous parle aussi. Le Saint-Esprit nous parle de plusieurs manières, mais nous ne prêtons pas attention. Nous ne prêtons pas attention ou parce que nous sommes très souvent dans la distraction. Dans la distraction, on est complètement distrait. Et le diable aime bien distraire les enfants de Dieu. Nous allons voir quelques obstacles qui expliquent pourquoi les chrétiens... Euh, euh, ne pas la voix du Saint-Esprit. Hmm. La voix du Saint-Esprit. Nous allons voir quelques obstacles qui expliquent cela et après nous allons étudier comment distinguer notre voix intérieure, comment distinguer la voix de notre esprit de la voix du Saint-Esprit. Comment distinguer cela, c'est très important. Voilà. Donc, on a vu, euh, euh, lorsque nous lisons le Psaume 23, nous sommes éblouis par les merveilles et les bénédictions qui accompagnent les enfants de Dieu. L'Éternel est mon berger, autrement dit, l'Éternel est mon guide, car un berger conduit le troupeau. Un berger protège le troupeau et prend soin d'eux. Comment peut-on suivre quelqu'un dont on n'entend pas la voix C'est ça le principal problème de la plupart des chrétiens. Ils ne savent pas entendre la voix de Dieu. Pire, certains confondent la voix euh, des démons ou de la chair avec la voix de Dieu. Selon Psaume 23, l'Éternel nous amène, nous reposer. Dans des verts pâturages. Il nous dirige, il nous conduit, etc. Donc, c'est vital de savoir écouter la voix de Dieu. Jean 10, verset 23 dit Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, chapitre 10, verset 27. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes comme un bébé né avec des oreilles spirituelles, avec une bouche spirituelle. Vous savez, s'il y a les yeux charnels, il y a aussi des yeux spirituels. S'il y a un nez charnel, il y a aussi un nez spirituel. Voyez, tous nos organes, euh, euh, nos sens charnels existent aussi pour l'être spirituel. Vous voyez Donc quand vous naissez, vous naissez avec les oreilles. Vous n'avez pas à créer des oreilles. Et, et vous avez des oreilles spirituelles. Donc vous êtes chrétien, vous avez la faculté d'attendre la voix de Dieu. Mais comme un enfant qui naît, il doit développer l'écoute. Il doit apprendre à parler. Il doit apprendre à écouter. Il doit... Vous voyez un enfant qui est né avec un papa et une maman qui parlent espagnol l'enfant va parler l'espagnol aussi et quand l'enfant est voulu parler en espagnol et en anglais tout petit l'enfant va commencer à parler en anglais et en espagnol aussi mais l'enfant ne parle pas parfaitement tout de suite et c'est ça le problème que les chrétiens nous avons nous sommes trop pressés nous allons plus vite que la musique nous voulons tout de suite parler parfaitement. Nous voulons tout de suite être prophètes. Nous voulons tout de suite faire des dissertations, faire des discours. Imaginez-vous un enfant de, de deux ans qui veut prêcher, qui veut faire un discours. Vous voyez, il n'est pas encore arrivé à ce nouveau. Il doit encore apprendre près de ses parents. Et c'est ça le problème que nous avons des chrétiens qui ont des appels, qui se font autoproclamer prophètes et qui n'ont pas encore la formation spirituelle, qui ne sont pas encore prêts pour cela. Le résultat, nous salissons les noms de Dieu que nous aimons, nous entraînons les gens dans la confusion. Alors, j'aimerais vous citer euh, quatre raisons pour lesquelles les gens n'attendent pas la voix de Dieu. La première chose, c'est le manque de foi. Pourquoi certains pensent que Dieu ne, ne le parle pas Dieu, s'il veut parler, il a des prophètes, il a des pasteurs. Ils ne pensent pas que Dieu s'intéresse à eux. Mais j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas un cousin, mais vous êtes le fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Dieu veut vous parler. Croyez-moi. Deuxièmement, les distractions. Des fois, nous sommes distraits. Pendant que Dieu nous parle, on est occupé à autre chose. Et les diables aiment nous occuper avec des histoires. Ne soyez pas trop distraits. Apprenez à passer le temps dans le silence. Apprenez parfois à éteindre la télévision et à ouvrir votre Bible dans le calme. Le problème, c'est que les chrétiens, nous sommes parfois trop agités, trop dans la distraction. Un tel a dit il y a des histoires qui ne vous. Qui ne vous amène à rien. Un tel a fait, un tel mange comme ça, un tel s'habille comme ça, un tel. A... Mais en quoi cela te fait avancer? Hein? Ce que fait l'autre, ce, ce que mange l'autre, ce que. À quoi vous savez éviter, simplifier votre vie, simplifier votre vie. Ne vous laissez pas distraire par des histoires sans queue ni tête. Troisièmement, le manque de discernement. Ça concerne les gens qui confondent, comme on va le voir aujourd'hui, la voix de leur esprit, parce que vous êtes un esprit. Votre voix peut vous parler intérieurement. Autrement dit, les gens qui confondent leur pensée avec la pensée de Dieu. Les gens qui confondent la voix des démons avec la voix de Dieu. Vous voyez. Et euh, quatrièmement, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, un cœur étouffé, un cœur qui est étouffé par l'amertume, un cœur qui est étouffé par la jalousie, un cœur qui est étouffé par l'antipathie, un cœur qui est étouffé par les envies, un cœur qui est étouffé par les soupçons. C'est un cœur qui aura du mal à entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous avons vu ça, ce psaume qui dit, mon cœur dit de ta part, cherche l'éternel. Mon cœur dit de ta part, cherche l'éternel. Oh, je te cherche, oh Dieu. Donc Dieu nous parle, croyez-moi, je tiens à vous dire, à 90% par une voix douce, une voix discrète. Dieu nous parle la plupart des fois dans la simplicité. J'aimerais vous expliquer quelque chose peut-être qu'on vous a jamais expliqué. Il y a des pasteurs, des apôtres qui ont vécu des apparitions. Il y a des gens qui ont vécu des apparitions des anges. Il y a des pasteurs qui ont vécu des apparitions de Christ ou des anges. Les apparitions des saints, c'est pas biblique. Les gens qui sont morts ne peuvent plus apparaître. Voyez. Voyez. Les apparitions des saints, les saints sont au paradis ou dans les séjours de mort. Ceux qui sont sans Christ sont dans les séjours de mort. Ils attendent leur jugement. Et ceux qui sont morts en Christ, ils sont dans le paradis comme Jésus a dit. Euh, au bandit qui était à son côté. Aujourd'hui même, tu seras avec moi et mon père dans le paradis. Donc, ils n'ont plus rien à faire ici-bas. Leur mission s'arrête. C'est des anges qui ont des missions, un ministère auprès des vivants. Alors, des gens qui voient Abraham, qui voient Moïse qui leur parle, ou qui voient leur grand-père qui leur parle, il y a un problème. Il y a un problème. Mais par contre, Dieu peut utiliser l'image de quelqu'un. Oui, c'est possible que Dieu utilise l'image d'Abraham ou l'image de quelqu'un pour te parler, pour te donner une leçon. Mais ce n'est pas Abraham qui a quitté le paradis pour venir te parler ici-bas, ou bien Moïse, quoi. Donc il faut vraiment que nous ayons ce grand discernement. Donc le fait que nous confondons toutes ces voix c'est préjudiciable. C'est préjudiciable. Donc et, et surtout je tiens à vous dire pourquoi il faut avoir un cœur pur. C'est ça qui explique que il y a très peu de pasteurs, de prophètes aujourd'hui. Il y a très peu de prophètes aujourd'hui. D'abord, le ministère prophétique est mal compris, les prophéties sont mal comprises, et puis il n'y a pas vraiment des enseignements solides. Tu vois le pasteur qui vous dit. À la chair, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais il vous explique jamais comment Dieu lui parle. Et les chrétiens aussi copient à ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ils copient leur pasteur, ils copient le langage du pasteur, et puis ça, ça, fait une confusion. Et c'est pour cela, je n'aime pas les gens qui disent tout le temps, Dieu m'a dit, Jean-Claude Herry, c'est de quoi je parle, hein. Les gens qui disent toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit qu'il attend de devoir, en fin de compte, ils disent n'importe quoi. C'est comme une sœur qui dit Dieu m'a dit de divorcer. Et ce n'est pas biblique. Dieu n'est pas pour le divorce. Voyez. Dieu m'a dit de divorcer avec mon mari. Dieu ne peut pas te dire ça. Si j'ouvre ma Bible, il n'y a nulle part dans la Bible un moment où une femme a répudié un homme. Euh, vous pouvez dire ce que vous voulez. La parole de Dieu est la lumière sur notre sentier. Montrez-moi dans la Bible un seul endroit où une femme a répudié un homme. Montrez-moi dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dès l'ancienneté, peut-être que vous l'avez fait dans l'ignorance. Dieu pardonne l'ignorance. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent là, qui ont eu à le faire, mais dans l'ignorance. Et je, je peux vous dire que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais maintenant que vous le savez, il faut plus agir comme des païens. Alors Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Euh, C'est comme un, un pasteur. On a fait un accord. Est fait, Dieu est un Dieu d'alliance. Hein. Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu d'alliance. Voyez. Dieu nous oblige à respecter nos serments. Quand vous faites un serment, vous devez le respecter. C'est écrit dans le psaume. Voilà, maintenant, tu fais un accord avec quelqu'un. Et demain, tu ne respectes pas cet accord. Tu le contredis. Et tu vas dire, Dieu m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit. C'est comme si moi, je vais voler l'argent de quelqu'un. Et on m'arrête et je dis que c'est Dieu qui m'a dit de venir voler l'argent. Je vais prendre la femme de quelqu'un, on m'attrape, je dis que c'est Dieu qui m'a dit de prendre cette femme-là. C'est Dieu qui m'a parlé. Voyez, c'est du n'importe quoi. La, la première chose, la voix de Dieu est toujours en accord avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. L'apôtre Paul dit, même si un ange venait et vous annonçait autre évangile, une autre évangile que celle que nous vous avons prêchée, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul dit, même si un ange venait il vous prêchait une autre évangile, ou même si nous-mêmes, on revenait. Vous prêchez une autre évangile que celle que vous avez écoutée, qu'il soit anathème. Alléluia. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Contredire. Tout ce qui contredit la parole de Dieu est à mettre à la poubelle. L'apôtre Jean dit « aimé ne mettez pas foi à tout esprit, car il y a plusieurs esprits d'Antichrist. Ce n'est pas toute vision que vous avez, ce n'est pas toute pensée qui vous passe dans la tête que c'est vient de Dieu. Non, il faut toujours tester tout au travers de la Bible. Il faut tout tester. C'est la Bible qui est la vérité. » Si vous recevez une vision et, ou une révélation ou une pensée qui n'est pas en accord avec la Bible, euh, mettez-les à la poubelle. Euh, Dieu m'a dit de divorcer, d'abandonner ma femme. Ce n'est pas Dieu. Oui. Alors, je voulais vous dire ça, quelque chose peut-être que... Euh, les gens, ils aiment beaucoup... Les, les problèmes que nous avons, nous les chrétiens, nous aimons trop les spectaculaires. Nous aimons trop les spectaculaires. Nous voulons voir un ange apparaître pour croire que Dieu nous a parlé. Ou nous voulons attendre une voix audible. Euh, moi, dans ma vie, les voix audibles, je ne l'ai entendues pas plus de dix fois. La voix audible de Dieu, euh, je crois, que je l'ai entendue une fois comme tu m'attends là, la voix audible de Dieu, je l'ai entendue seulement une fois. La plupart des fois, Dieu me parle par des songes, par... De, voyez, et Dieu n'est pas derrière le bling, bling, bling. Dieu n'est pas là pour... Voyez, et, 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 et l'erreur que et, beaucoup de de pasteurs comme moi, comme moi avant, on croit que parce qu'on a vu Jésus trois fois ou quatre fois, on est supérieur aux autres. C'est de la bêtise. Ou bien, moi je connais un pasteur, quelqu'un me dit, mais Bishop, cet homme-là, vraiment, c'est un homme de Dieu. Il a vu Jésus sept fois. Euh, Kenneth Guine a vu Jésus sept fois. Euh, mais je connais des gens. Des ministres de Dieu qui n'ont jamais vu Jésus même, mais que Dieu a utilisé plus puissamment que Kenneth Hagin. Et Je connais des hommes de Dieu qui n'ont jamais vu Jésus, mais que Dieu a, à qui Dieu a donné une onction plus grande que moi qui a déjà vu Jésus. Vous comprenez? Et, et ce n'est pas et, et des. Et le fait que tu vois des anges ou que tu attendes de, de voir ou que tu vois des apparitions, que tu, que, que, que tu as un ministère supérieur aux autres. Bah, Écoutez un peu, si Jésus est apparu à, à Thomas, ce n'était pas parce que Thomas avait un plus grand appel que les autres. C'est parce que Thomas était incrédule. Si Jésus a demandé à Thomas de toucher ses mains. Il n'a pas demandé à Pierre, ni à Matthieu, ni à Luc, ni à Jean, il a demandé à Thomas. Ce n'est pas parce que Thomas avait un ministère apostolique supérieur aux autres, mais c'est parce que l'incrédulité de Thomas était trop grande. Il y a certaines personnes qui vont croire à Christ seulement quand ils verront Christ leur apparaître. C'est ce qui se passe avec beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans. Dernièrement, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui est le descendant du prophète Mohamed. Direct, ligné. Et qui s'est converti parce qu'il a expérimenté l'apparition du Christ. C'est-à-dire que des fois, Dieu utilise des révélations spectaculaires à cause de notre incrédulité quelqu'un va voir l'apparition de Christ ou entendre une voix lui parler parce qu'il est trop incrédule. Il faut une telle révélation spectaculaire pour qu'il soit saisi. Mais malheureusement, euh, ces gens eux-mêmes, des fois, ils se croient supérieurs aux autres parce qu'ils ont expérimenté ça. Bonjour Marion. Sois béni Marion. Sois béni. Et salut ton mari, Christaman. J'aime bien ton mari. C'est un bon Christaman. Je ne sais pas s'il chante ou pas. Je suis en train de préparer un album reggae. Et puis, euh, salut à. Je crois que c'est ta belle-mère. Hein, ta belle-mère aussi. Je suis en Guadeloupe, hein, je dois te voir, je viendrai te voir. Vous voyez, ce n'est pas le fait d'avoir. Des révélations ou d'attendre de voir des anges qui fait de nous, qui nous donnent une supériorité aux autres. Il y a des gens qui ont tellement une grande foi, un songe suffit pour qu'il obéisse. Vous voyez, Joseph, il, il a vu un songe. Un ange qui lui a dit Prends l'enfant et sa mère, fouillez en Égypte. Joseph a obéi mais le prophète Balaam Dieu lui a parlé, il n'a pas obéi. Il fallait que un ange apparaisse, bloque son chemin, bloque l'âne pour empêcher à Balaam de continuer et de maudire Israël. Donc parfois le fait d'avoir des révélations spectaculaires c'est simplement, ça ne veut pas dire parce que toi tu as vu Jésus cette fois, que tu as plus d'onction ou tu es plus aimé que moi qui a vu Jésus une fois ou que moi qui n'ai jamais vu Jésus. C'est pas parce que toi tu as vu deux anges un jour que tu es, tu es plus proche de Dieu que moi qui n'ai jamais vu des anges. Non, ça ne veut rien dire. Et ne cherchez pas ces choses, ne courez pas derrière le spectaculaire. Ne courez pas derrière le spectaculaire, sinon vous serez déçus. Les gens qui cherchent trop le spectaculaire finissent par tomber dans le piège des démons. Amen. Ne courez pas toujours derrière le spectaculaire. Donc, la première chose pour distinguer eh, la voix eh, de l'esprit, la voix intérieure du Saint-Esprit, et votre propre pensée. Comment dissocier vos pensées de pensées de Dieu hein? C'est la parole de Dieu. La voix de l'esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Et deuxièmement, il faut toujours. Gardez un cœur pur. Pourquoi? Parce que si vous avez des soupçons, vous soupçonnez quelqu'un de vol, vous allez facilement rêver aussi qu'il vole. Si vous avez la haine contre quelqu'un, vous allez facilement rêver que la personne veut se battre avec vous. Vous savez, le rêve peut être le résultat de l'état de notre cœur. Mais si votre cœur est pur, votre cœur n'a pas de haine, votre cœur n'a pas de soupçons, et vous rêvez quelque chose, vous pouvez être sûr que. Cela ne vient pas de vous. Vous pouvez être sûr qu'il y a plus de chances que cela soit Dieu qui vous parle. Alors, la chose qui nous aide, écoutez bien, c'est que nous aide à distinguer notre pensée. Parce que la voix de l'esprit est tellement petite et douce que parfois c'est difficile de, de la distinguer. De notre propre pensée, de nos propres pensées, vous voyez, mais Dieu donne toujours des confirmations. Écoutez-moi bien, Dieu donne toujours des confirmations, et, et j'aimerais, on va voir quel type de confirmation que Dieu donne. Un exemple, moi ça m'arrive, par exemple, je suis là, je suis en train de prier. Je suis en train de prier et une pensée me vient. J'ai une pensée sur Marion, par exemple, ou j'ai une pensée sur Tanguy Viator. Et pendant que cette pensée vient, le Saint-Esprit confirme que celui qui me parle, des fois, parle une sensation de chaleur sur mon bras. Ça, c'est mon expérience. Voilà pourquoi on dit, on appelle ça l'école de prophète. L'école de prophète, c'est quelqu'un qui est appelé au ministère prophétique et qui marche avec un, un homme, un vrai prophète de Dieu. Voyez, ce n'est pas l'école biblique. L'école de prophète, c'est quand vous êtes appelé au ministère prophétique, vous devez marcher avec un vrai prophète de Dieu, pas des charlatans. Vous voyez, je peux vous enseigner cela parce que moi-même, j'ai un ministère prophétique. Je, bien que je ne le dis pas toujours, bien que je ne je, je me fais pas appeler prophète, euh, mais des, des vrais prophètes de Dieu, reconnus par les nations, m ont, m ont, ont déjà confirmé mon appel prophétique. Un exemple, je prie pour quelqu'un, tu sens une chaleur. Tu pries pour quelqu'un, tu as une pensée sur quelque chose qui te vient. Et pendant que cette pensée te traverse l'esprit, tu sens une chaleur sur tes mains. C'est une confirmation où tu sens un picotement. C'est une confirmation où tu sens la personne t'appelle tout de suite. La personne t'appelle tout de suite. Donc, il y a toujours une confirmation. Dieu confirme toujours. Quand il n'y a pas une confirmation, mettez cela dans le tiroir. Pas à la poubelle, mais dans le tiroir. Parce que Dieu peut confirmer quelque chose aujourd'hui. Il peut le confirmer un mois après. Il peut le confirmer un an après. Mais quand Dieu parle, il confirme. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne peut pas vous parler et vous laisser dans le doute et dans la confusion. Et surtout quand Dieu vous parle, vous avez affaire à des menteurs, à des gens qui mentent et qui nient. Là, c'est terrible. Je vous ai donné l'exemple de cette jeune femme avec qui j'étais presque engagé. On avait été béni. La nuit, j'ai eu un songe. Dans le songe, on m'a dit clairement quelque chose. pas, il n'y a pas que elle. Il y a encore une deuxième, une autre encore que j'ai connue, et j'avais tellement confiance en elle, tellement confiance. Elle m'a dit ah non, je suis allée elle a dit qu'elle est allée travailler en province. Elle m'a menti qu'elle travaillait en province, qu'elle faisait autre chose. Mais pendant que j'étais à Paris, je priais et Dieu m'a montré qu'elle n'était pas, elle ne faisait pas le travail qu'elle prétendait faire, qu'elle faisait ça, qu'elle faisait. Dieu m'a montré toute sa vie. C'est comme une pensée qui vous vient. Je vous dis bien, c'est comme une pensée. Quand Dieu vous parle par une voix douce, vous avez cette pensée-là qui vous vient, mais je vous dis que ce n'est pas toute pensée qui vous vient à l'esprit, qui vient de Dieu. Une pensée peut venir de l'ennemi aussi. Ou même de vous-même. Mais j'ai appelé la personne et j'ai eu la confirmation que la personne était chez quelqu'un et ne faisait pas ce qu'elle disait. Elle ne travaillait pas dans le restaurant, mais elle faisait tel travail et, et le Seigneur a tout confirmé. Et en fait de compte, cette sœur, était assez honnête. C'est une soeur que je respecte beaucoup parce qu'elle était assez honnête. Quand je lui ai dit, Dieu m'a montré que tu as fait ça, elle m'a dit, oui, oui, bah, oui, j'ai fait ça. Elle a demandé pardon et elle a reconnu, elle a dit, oui, j'ai fait ça. Vous voyez, c'est comme ça que on voit que non, Dieu me parle. Mais il ne parle pas à tout le monde comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'a pas ce don de prophétie. Vous voyez Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Donc, ne vous lancez pas comme ça. Ne vous lancez pas comme ça. Je peux vous dire, Dieu parle réellement. Croyez-moi, Dieu parle. Mais surtout, Dieu n'est pas bavard. N'oubliez pas que Dieu n'est pas bavard. Quand c'est tout le temps, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit, ah, je pas, ça devient un problème. Et, et, et surtout, lorsque Dieu vous parle par une voix intérieure, c'est pour vous-même, c'est pour vous seul. Donnez-moi une minute. Je suis en train de cuisiner. Euh, Sandrine. Et Cecilia, c'est ce voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là, il ouais, n'y a pas de problème. Hein. Pas On a payé problème. petit à petit et sous manie là, au cafouille. Voilà. Si il voilà. ne faut pas porter plainte. <laughs>